Bonjour à tous et bienvenue dans cette émission et ce plateau de SMTV. Ici, c'est Pierre-Emmanuel. Et aujourd'hui, j'ai la joie d'avoir une invitée spéciale qui est Marie-Christine. Bonjour à Bonjour tous. Marie-Christine. Bonjour Pierre. Comment vas-tu? Je vais très bien et on est Ok. là pour une bonne cause, donc Super. tout va bien. Ok. Tout va bien. Ben, ça fait plaisir d'être là. Et puis, donc je sais que tu vas nous partager une expérience tout à fait particulière et je pense qui est pleine de sens. Et de laquelle on va pouvoir tirer quelque chose pour chacun de nous et pour les auditeurs. Donc soyez attentifs. Écoute, je vais avoir moi-même la surprise. Donc je te laisse nous introduire dans ce que tu veux nous partager aujourd'hui, Marie-Christine. On va essayer. Ben, on va essayer de faire en sorte que ce soit utile pour chacun, pour tout le monde, pour édifier un peu la foi de chacun et même ceux qui n'ont pas la foi, de les amener à s'interroger à certaines choses. Comme tous les professionnels qui ont travaillé depuis ce début d'année, à partir du 16 mars, nous avons tous été confinés C'est sûr. et nous avons dû tous travailler en télétravail Télétravail. et donc à distance. Et là, il s'est révélé quelque chose de très particulier sur tous les mois du confinement et au-delà. Et je voudrais un petit peu vous raconter ce qui s'est passé, non pas pour vous parler de moi, mais surtout pour partager un questionnement que j'ai eu et surtout ce que ça a pu apporter comme conséquence derrière et faire partager ma réflexion et surtout ce que ça peut apporter à chacun. Donc pour rentrer dans le vif du sujet, donc on se remet dans le contexte du confinement, du travail du télétravail, avec la difficulté que ça a apporté, c'est que du jour au lendemain, comme beaucoup de professionnels, on a été obligés tout d'un coup de lâcher nos contextes et nos environnements professionnels pour aller rester chez nous, trouver un lieu chez nous pour pouvoir télétravailler, pour pouvoir dialoguer avec le public qu'il y avait de l'autre côté. En l'occurrence, étant enseignante, j'ai laissé Les donc chaque élèves. étudiant chez eux et on s'est donc connecté. Les difficultés ont été très nombreuses dans les premiers mois, les 2 premiers mois. Parce qu'on n'avait pas du tout les outils qu'il fallait, on a été surpris par cet Bien sûr. événement, par ce contexte, et on a été obligé d'y parer, donc de travailler vraiment avec les outils qu'on pouvait. Et ensuite, on a abandonné l'outil, on en a pris d'autres et d'autres. Bon, les réactions ont été très diverses, parce qu'on avait un public devant nous de jeunes qui étaient un peu perdus, qui se raccrochaient à nos voix et qui ne savaient pas trop bien où on allait, mais le tout pour nous, c'était de ne pas les perdre. Bien Donc, sûr. on avait vraiment un public qui devait être captif. Et certains avaient déjà perdu leurs élèves. Moi, je les avais encore, mais je ne voulais surtout pas les perdre non plus. Donc, trouver de nouvelles méthodes, innover, trouver une pédagogie qui soit adaptée vraiment au contexte. Et tout ça pour dire que tout le monde s'en rend compte, c'est que ça demande beaucoup d'énergie, ça demande beaucoup de sueur, de transpiration, de créativité et d'être sollicité dans des coins où on n'avait pas l'habitude d'être sollicité, notamment sur la Adaptation. créativité, Bien sûr. l'adaptation aux outils, etc. Et le relationnel qu'il y a avec le public en face a été difficile parce qu'on ne voyait pas les visages. Pour faire en sorte que la bande passante ne puisse pas être trop Ah, d'accord. utilisée, il ne fallait pas que les Qu'il y ait des vidéos vidéos, du que les public. étudiants soient en vidéo. Ah, Exactement. ok. Donc il y avait uniquement des carrés noirs L'audio et... ou alors une tortue, un chien, un chat, etc., des Un lettres. avatar, ouais. Voilà, des avatars, Ouais. peu inspirants, mais c'était comme ça. Et Ouais, en fait, pas tant évident. bien que mal, cette période a été assez difficile parce qu'il a fait très chaud. Parce que il fallait trouver des petits coins où on soit tranquille et c'était pas évident de renouveler ça tous les jours. Donc autant on peut le faire pendant une semaine, mais Ouais. quand ça dure 2 mois et que c'est tous les jours pendant 2 mois, ça a été contraignant. Je sais que pendant cette période, je me suis accrochée à Dieu, j'ai demandé de l'énergie parce que mon énergie s'épuisait, parce que ma patience aussi pouvait s'épuiser, parce qu'il y a des étudiants qui téléphonaient en dehors du cours, qui téléphonaient le matin avant le cours de 8 heures, après les cours après 17 heures, souvent ça pouvait aller jusqu'à 22 heures. À partir du moment, dans l'enseignement supérieur, il y a des contraintes de ce type-là. Et il y avait même le délégué de classe que j'ai eu plusieurs fois pendant 1 heure et demie, plusieurs fois, pour remonter le moral, pour dire, attention, mais ne vous inquiétez pas, on va reprendre tout ça après, etc.
Et en fait, les circonstances se sont un peu aggravées. Excusez-moi si je développe un peu, c'est pour vraiment appuyer sur le contexte. Et ça s'est un peu aggravé par le fait que, à la fin, au lieu que les étudiants partent en entreprise, on m'a demandé de les garder et de prévoir déjà le cours de l'année prochaine, de le faire déjà par anticipation. Mm-hmm. Ce qui fait que déjà, quand on a été assez épuisé par la situation, par la solitude aussi de la situation, il fallait en plus travailler encore deux fois plus pour travailler sur les cours suivants qu'on n'avait pas encore préparés. Et ensuite, les soutenances de mémoire, les encadrements de mémoire avec les différentes agences bancaires, etc., ça a été très exténuant. Pendant tout ce temps, je me suis vraiment appuyée sur Dieu, j'ai cru en la parole, je me suis fortifiée dedans, j'en ai pleuré. Comme quelqu'un qui gravit vraiment une montagne, j'en ai pleuré des fois parce que j'étais vidée. Je me jetais des fois dans le placard pour aller chercher des noix, des noisettes, toutes sortes de choses qu'un écureuil aurait grignoté. Il fallait que je ronge quelque chose. Et c'est vrai que ça a été long et ça a été usant. Mais Dieu, à chaque fois, est venu toujours renouveler mes forces. Et on dit, sa bonté se renouvelle tous les matins. Moi, ma force se renouvelait tous les matins. J'ai dépendu intégralement de Dieu. Et j'attendais une seule chose, c'est de pouvoir partir en vacances. Et mes vacances, à moi, c'est d'abord passer une semaine seule, tranquille. Étant donné que, nerveusement, je fais un travail assez nerveux et assez dense, j'aime bien ensuite partir et me mettre seule avec Dieu. Mmh. Et j'attendais ce moment en disant, Seigneur, je m'agrippe encore à toi, mais bientôt on sera tous les deux, et là tu vas me faire du bien, tu vas rincer un peu tout ça, et tu vas me faire du bien. Et j'ai attendu ça, et je peux vous garantir que le jour où enfin c'est arrivé, mais bon, des réunions succédaient à des réunions, ce qui veut dire que, enfin mi-juillet, au bout de 4 mois de visio, j'ai pu enfin m'envoler, prendre la voiture et partir toute seule. Mmh. Et là je me suis dit, plus rien pendant une semaine, plus de téléphone, plus de mails, plus de WhatsApp, plus rien. Et arrivé là-bas, je me suis pris 3 jours là où, bon, il fallait dire un peu bonjour aux voisins dans le village. Et au bout de 3 jours, j'ai constaté que j'avais un bouton à l'œil. Et là, je me suis dit, bon, je vais aller à la pharmacie de l'autre ville et je vais demander un antiseptique, quelque chose pour nettoyer ça. La pharmacienne, quand elle a vu ça, elle me dit, vous savez, on a des médecins ici, vous pouvez aller en voir un si ça ne passe pas. Et je lui ai dit, non, mais ça passera. Moi, pour moi, c'était mes vacances et c'était d'abord une semaine avec Dieu et après le reste. Et puis tout d'un coup, dans mon esprit, le Saint-Esprit m'a vraiment dit, clairement, va aux urgences. Et sur le moment, j'ai dit, ah non, mais ça, ce n'était pas prévu dans ma semaine. Avec Dieu, mon entente, mon contrat, c'était de tenir 4 mois en servant au mieux que je pouvais. Surtout, je précise que ces 4 mois, c'était la fin d'une période de 18 ans et de travail. Et donc, c'était la dernière fois que je les avais. Et que pour moi, il fallait que je finisse en beauté, quoi. Avec Dieu, mais en beauté. Que je donne tout avant de les quitter pour toujours. Et donc, voilà. Et tout d'un coup, ça arrivait, cet événement. Et je me suis dit... non, c'est pas prévu dans l'histoire, ça. Non, pas du tout. Donc, on verra bien. Ça va. Comme d'habitude, le Seigneur pourvoit tout, ça s'en ira. Et oui, mais là, il y avait va aux urgences. Et là, je me suis dit, demain, c'est le culte en la grande ville. Je vais aller au culte de la grande ville comme je fais pendant l'été. Et puis là, j'irai après. Et je suis allée au culte, m'immergeant dans la louange, me nourrissant de la parole. Et puis là, il y a un des anciens qui me connaît depuis que je suis toute petite qui me dit, puisque tu es arrivé maintenant ici dans la région, est-ce que tu veux manger chez nous? J'ai mangé chez eux, on a partagé sur la parole, on a partagé sur Dieu, sur la puissance du Saint-Esprit. J'étais bien. Je suis sortie à la fin en leur disant, vous ne pouvez pas me dire où se trouve, par où je dois passer pour aller aux urgences. Eh bien, passe par là. Ben, j'y suis allée. Sur le moment, je me suis dit... Ouais, attends, t'as bien réfléchi là tout d'un coup, parce que c'est un lieu qui est touristique, il va y avoir énormément de monde, le Covid reprend là-bas, tu vas avoir, c'est un dimanche après-midi, tu vas avoir énormément de monde. Et puis je suis arrivée là, j'ai dit non, le Seigneur m'a dit d'y aller, il sait ce qu'il fait. Et j'y suis allée, et là, paix
personne. Je suis arrivée, j'étais reçue tout de suite. On m'a passé à d'autres personnes, des gens agréables, gentils, etc. On me monte au premier étage, la chirurgienne en ophtalmologie qui me regarde, elle me dit « Pourquoi vous venez ?» Je lui dis « Écoutez, j'ai un bouton, je voulais juste savoir comment l'enlever, etc. Si vous avez quelque chose à me donner. » Bon, après, je l'ai reçu comme ça de venir vous voir. Hein. Alors elle me dit, elle regarde et puis elle me dit « Je crois, elle me dit que je vais vous décevoir. Mais ce n'est pas un bouton que vous avez, c'en est deux. Et il faut que je vous dise que c'est très grave. Vous êtes en train de perdre la vue sur l'autre œil. » Et sur le moment, je lui dis, mais ça, c'est pas prévu, ça non plus. Ah oui, là, c'est pas prévu du tout. Et en fait, je n'avais, mais c'est fou, comme pendant ces 4 mois de visio, en m'accrochant à Dieu, je m'étais fait une résidence avec lui, qui était que dans ma relation avec lui, bah, c'était nous deux, quoi. Mmh. Et quand il m'est arrivé ça, c'était comme si rien ne pouvait m'atteindre. Je m'en étonnais, mais rien ne pouvait m'atteindre. Et je suis restée donc avec elle, et je suis restée plusieurs heures avec elle. Elle a fait des explorations, etc. Et à tel point que quand j'ai dû repartir, elle m'a dit « Écoutez, pour être raisonnable, restez 3 heures dans la salle d'attente avant de repartir. » Je suis restée 3 heures. 3 heures dans la salle d'attente. Pour que les effets des médicaments, des produits, etc. disparaissent de l'œil. Mais j'étais dans une grande paix, j'appelle mon mari, je lui dis « Écoute, bon, bah, demain, je prendrai rendez-vous à l'ophtalmo de Clermont. » Et en fait, c'est vrai que, c'est curieux, je n'ai pas tant prié que ça. J'étais juste avec Dieu pendant 4 mois, c'était le seul duquel je dépendais. Je suis partie, c'était le seul vers lequel j'allais. Je suis allée au culte, c'était le seul vers lequel je me suis nourrie. Et à la fin, je suis allée naturellement là-bas. Et... quelqu'un aurait pu avoir peur, c'est vrai. Moi, sur le moment, je me suis dit, mais attends, c'est pas prévu ça non plus. Ça veut dire quoi? Je vais rentrer à Clermont. Bon, qu'est-ce qui va se passer là-bas? Et je me suis dit, non, Seigneur, c'est bizarre ce truc. Bon, je suis rentrée dans mon village. Le lendemain, j'ai appelé Clermont. J'ai dit, est-ce qu'on pourrait se voir à mon ophtalmo? Et il me dit, écoutez, vous avez besoin de combien de temps pour monter? Je lui dis 6 à 7 heures. Et il me dit, bon, écoutez, dès que vous arrivez, je veux vous voir. Donc, je suis montée avec la voiture, là, comme ça, j'ai fait des centaines de kilomètres hein, pour remonter jusqu'à Clermont. Et puis, dans la voiture, je me suis prise à dire, dans mon dialogue avec lui, de dire, mais Seigneur, mais c'est pas juste. C'est pas juste. J'ai fait 4 mois, j'ai tenu les 4 mois. J'ai essayé de donner le maximum que je pouvais, même quand je n'en pouvais plus. Les élèves m'appelaient, je répondais, je faisais un mail, j'ai expliqué un exercice. J'ai pas dit non. Et là, tout d'un coup, mon temps avec toi, tout d'un coup, c'est un non. J'ai dit, c'est pas juste. Et puis, en continuant mon dialogue avec lui, je me suis dit, ouais, c'est pas juste de dire que Dieu n'est pas juste. Donc, pardon, Seigneur. Parce que si je dis que t'es pas juste, enfin, que c'est pas juste, c'est que t'es pas juste. Et là, je me suis dit, pardon, Seigneur, que ta volonté soit faite. Mais j'ai du mal à croire que c'est ta volonté quand même. Et j'ai dit, Seigneur, mais... jusqu'où on peut aller dans l'effort avec toi, jusqu'où on peut aller, jusqu'où toi tu nous fais aller pour après quoi, quoi. Et en fait, j'ai dialogué avec lui. Je n'ai pas vu passer les kilomètres. Je n'ai pas vu passer ces centaines de kilomètres. Je suis arrivée comme Jésus est allé un peu à l'abattoir, hein, comme ça. Hein. Il a été sans rouspétance, mais moi, bien sûr, j'ai discuté avec Dieu. Mais quand j'ai vu l'ophtalmo, l'ophtalmo m'a reçu et il a vu la lettre. Et mais vous avez été ausculté par qui? Oh, je lui dis, par une chirurgienne ophtalmo. J'ai dit, on a eu le temps de discuter ensemble, on est resté quelques heures ensemble. Et quand elle m'a demandé pour faire le rapport entre ce qui m'arrivait, puis elle m'a demandé ce que je faisais comme travail, je lui ai dit que j'étais enseignante et que j'avais donc fait un travail sur poste pendant 4 mois. Et j'ai dit, c'est une femme bien. J'ai dit, en plus, son fils est dans la même série et même formation que ce que je fais. Donc, elle m'avait beaucoup parlé. Et j'ai dit, non, c'est une vraie chirurgienne. Ah, elle me dit, mais attendez, mais moi, ce que vous avez, mais vous n'avez rien. Et je lui ai dit, mais attendez, j'ai rien. Mais vous savez qu'elle m'a gardé quand même des heures. Et elle m'a fait des explorations profondes et tout. Elle m'a dit, vous risquez de perdre la vue. Oui, vous oui, êtes oui. En train de... Non, mais il m'a dit, c'est vrai que c'était un champ pour ça. Mais il me dit, là, vous n'avez rien. Okay.
Vous n'avez strictement rien. Donc alors moi, j'insistais pour être bien sûr, j'avais fait des kilomètres. Et puisque Dieu m'avait dit qu'il fallait que je monte, je me suis dit, puisque Dieu m'a dit, c'est qu'il faut qu'il y ait quelque chose. Ma sœur, en plus, en partant, m'avait glissé un livre qui est mon auteur préféré. Et elle m'avait donné ça, elle m'a dit, tiens, tu le liras clairement. Ça voulait dire quand tu seras à l'hôpital, quand tu seras en rééducation derrière. Tu le liras. Mmh. Elle ne l'a pas dit ça, mais je l'ai compris dans son geste. Et moi, vraiment, c'était mon dialogue avec Dieu. Et quand lui m'a dit, mais n'insistez pas, il me dit, moi, je veux vous voir que l'année prochaine, on soit en mars l'année prochaine, je ne veux pas vous voir avant. Ouais. Je suis sortie, j'étais un peu KO, j'ai dit, mais quelle bonté, Seigneur. Quelle bonté. En réalité, j'ai repris ma voiture, j'ai dit à mon mari qui m'attendait en bas, puisque c'est interdit qu'il m'accompagne, hein. Je lui ai dit, j'ai rien, j'ai plus rien, tu te rends compte ce que Dieu vient de faire? Je n'ai rien. Mmh. Et alors, il a pouffé d'un rire, de joie, quoi. Mmh. Et j'ai dit, attends, hein, moi la voiture, je la reprends et je repars. Je suis repartie, vite alors que ma maison avait été fermée, que j'avais tout fermé pour l'hiver, que je savais qu'on ne pourrait plus y rentrer. Je suis redescendue, et dans la voiture, j'ai continué mon dialogue avec Dieu. Et je lui ai dit, Seigneur, mais pourquoi tu m'as fait monter à Clermont à ce moment-là? Mais je suis tellement touchée par ta grâce, par ta bonté, par ce que tu as fait pour moi. Et par le fait qu'on va continuer ensemble, Seigneur. Oh, on aurait continué à l'hôpital encore mieux, peut-être. Mais là, on va continuer ensemble, tel que c'était prévu, voilà. Tel que j'en avais besoin, tel que je le rêvais. Et lui, Seigneur m'a dit, tu te demandes pourquoi je t'ai fait monter à Clermont? Je t'ai fait monter à Clermont uniquement pour que ma gloire soit manifestée. Parce qu'il y a un verset qui dit « Ceci n'est pas à la mort, cette maladie n'est pas à la mort, elle est pour que ma gloire se manifeste. » Et je me suis dit « Seigneur, mais avec ça, j'ai une arme incroyable pour parler de toi. » Tous les gens du village qui m'ont revu m'ont dit « Mais comment ça se fait que tu es revenu? Comment ça se fait? Tu es déjà là, tu as fait vite, 1000 km en 24 heures. » Et j'ai témoigné facilement, je disais aux gens, mais ça m'était naturel. Et les gens, alors, soit certains me demandaient des précisions, soit d'autres n'en voulaient pas. Mais pour moi, c'était une fluidité, c'est remonté jusqu'à Clermont. Et cette relation avec Dieu, voilà, c'est ça que je voudrais partager là, c'est ce dialogue avec Dieu. J'ai envie de dire à ceux qui écoutent, aujourd'hui, quand tu as un souci, quand tu as un problème, avec qui tu dialogues? Sur qui tu t'appuies sur quel sauveur tu t'appuies pour avoir une vie meilleure? Parce que le verdict était là. Oui, pendant 4 mois, j'étais devant un écran, minimum 5 à 6 heures par jour, jusqu'à 12 ou 14 heures par jour. Et j'étais là avec ça. Peut-être qu'il y a eu un effet sur l'œil. Peut-être qu'il y a un effet, quelque chose qui a détraqué certaines choses et qui a fait que l'œil a été en danger. Je vous signale maintenant un peu l'explication. J'avais été opérée d'un décollement, d'un arrachement de rétine total. Et pour la remettre, on a mis un cerclage. Et en fait, c'est ce cerclage qui se serait déplacé et qui sortait de l'œil. Okay. Et qui donc ne tenait plus la rétine. Et que donc là, c'était assez compromis pour remettre la rétine. Voilà, c'était le cas. Mmh. Et donc, moi, j'ai envie de dire, voilà, on prie Dieu, on parle à Dieu, on fait des prières à Dieu, mais moi j'ai envie de dire, voilà, mon témoignage c'est pour dire dialoguer avec Dieu. Faites ce dialogue de constant. J'ai pas appelé, je t'ai même pas envoyé un SMS. J'ai envoyé un SMS à personne de la cellule. Pourtant c'est des frères, pourtant c'est des gens proches avec qui on est dans la prière. Mais je sais pas, il y avait une paix avec lui qui fait que ce dialogue, c'est pas un jour j'appuie sur un bouton. C'est pas un jour je fais une liste, Père Noël, s'il te plaît. Mais c'est simplement de tous les jours d'être avec lui et de vous attendre à lui et de s'attendre à lui et de savoir qu'il est au courant de tout ce qui nous arrive. Il ne faut pas la peine de réciter tout ce qui nous arrive depuis le matin. Il le sait, il le voit. C'est un compagnon de chaque instant. Vous savez, quand on monte une montagne et qu'on peine à la monter, si vous montez le sentier avec un guide en haut du sommet, le guide va vous dire qu'est-ce que vous voulez, du thé, du café, etc. Quand on monte avec un guide au sentier, c'est ça. Enfin, moi, je l'ai vécu comme ça. Et c'est sympa, là-haut, eh ben, il fait réchauffer une petite casserole et puis on boit un thé, un café, un petit gâteau et tout. Après, la peine... C'est notre montagne, notre sommet ici en Auvergne, le Puy de Sancy. Oui, le Puy de Sancy, 1886 mètres. Pour ceux qui nous écoutent, qui ne sont pas de la région. C'est exactement ça. C'est la plus haute montagne, un petit peu. Ouais. Très jolie, très belle. Hein. Ouais. Et ben là, ça m'avait fait l'effet de grimper la montagne pendant 4 mois, dans les ronces,
m'écharper le genou, tomber plusieurs fois, ramasser des bourrasques. Et arriver là-haut, tout d'un coup, au lieu que ce soit le guide qui t'offre un thé, c'était un homme en vêtements blancs et en blouse blanche avec deux infirmiers qui te disent « on va te redescendre avec un brancard ». Là, ça m'avait fait un choc, quoi. Donc c'est pour ça que dire « échappez, émancipez-vous de ce que certaines oppositions, certaines peut-être même malédictions ont posé sur vous, parce que vous êtes encore dans cette relation père-enfant, père-fille, père-fils avec Dieu, qui fait que Dieu pourvoit, il pourvoit vos besoins. Que ta volonté soit faite. Moi, j'ai dit plusieurs fois « que ta volonté soit faite, Seigneur ». Mais je t'ai posé quand même la question, est-ce que c'est juste? Mais que ta volonté soit faite. Jusqu'à ce que j'ai complètement balayé la première partie et dire que ta volonté vraiment soit faite. Et que si c'est ça, il en sortira quelque chose de magnifique. Moi, j'ai été propulsée à un autre niveau. J'ai pu avoir les vacances que je souhaitais et Dieu m'a préservée. Et j'ai envie de dire, c'est pas que pour moi, mais découvrez ce dialogue. Rentrez dans cette parole vivante qui vous dit qui vous êtes, qui vous dit aussi comment vous devez prier, qui vous dit, voilà, je suis là, je suis celui qui est, qui était, qui sera, qui vient. Et il vient à nous, il vient à toi, il est venu à toi, il vient aux autres, à d'autres aussi, et chacun le prend pour lui. Mais on ne le prend pas pour autrement qu'il n'est, c'est-à-dire on ne le prend pas pour un père cadeau, on le prend pour un père qui veut vivre une relation avec nous. Et cette relation, elle est tellement belle. On pourrait en écrire des livres entiers de tout ce que Dieu fait pour nous, de toute cette grâce qu'il nous accorde. Ce n'est pas que dans les livres, ce n'est pas uniquement dans les quatre murs des églises, c'est vraiment de tous les jours. On se nourrit de ça, on grandit avec ça. Et ce livre qu'on pourrait écrire, et on ne peut pas écrire parce qu'il y en a trop et qu'il faudrait qu'on ait à chaque fois le livre sous la main, on en écrit un peu. On n'écrit jamais la totalité, même la parole le dit. On n'a pas pu écrire tout ce que Jésus a fait dans la Bible. Hein. Mais maintenant, j'ai envie de vous dire à vous qui écoutez dans cet instant-là, vous, qu'est-ce que vous allez écrire? Vous allez écrire la suite de votre livre, vous aussi. Vous allez écrire la suite de ce que Dieu peut faire aussi pour vous, avec vous, en vous, et tous les jours de votre vie, parce que Jésus l'a dit, je ne t'abandonnerai jamais. Je serai avec toi tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Alors, ce que vous allez écrire vous appartient. Mais j'ai envie de vous dire, testez-le, goûtez-le, approchez-vous de cette parole. Elle est une parole de vie, elle est vivifiante, elle est vivante. Et donc, c'est une source pour l'éternité. Voilà ce que je voulais vous dire. Merci beaucoup, waouh. Merci beaucoup, Marie-Christine. C'est super. Merci à Dieu. C'est un témoignage extraordinaire. Et puis, moi, si je capte quelque chose là synthétiquement, c'est que je me rends compte des fois, beaucoup de chrétiens, effectivement, Dieu est comme la roue de secours. Mmh. Et je dirais, oui, pour le non-chrétien, voilà, je suis malade, Dieu guérit-moi. Et c'est un premier contact. Mmh. Mais ton témoignage montre que nous qui sommes enfants de Dieu, au lieu de prendre les choses de l'extérieur, on peut vivre les choses depuis la maison, ouais. Parce qu'on est dans la communion, on est dans la relation. Donc la guérison, c'est comme c'est comme Dieu peut te parler, Dieu peut te réconforter, Dieu peut te guérir aussi. Ouais. Ça fait partie des choses qui sont dans la maison. Et en tant qu'enfant de Dieu, on peut avoir recours à depuis en haut, quoi. Pas depuis l'extérieur, pas au secours, je suis, ouais. J'ai besoin de l'aide de Dieu comme si Dieu est loin et que je suis là et je suis en panne sur la terre. Donc merci pour ce témoignage qui nous montre aussi en tant qu'enfant de Dieu, on est dans une autre position et Dieu est réellement là. Autant c'est vrai, ouais. Voilà, je suis sous pression professionnelle, mais Dieu est là, il m'aide. Mais du coup, je suis guéri aussi. Aussi, pareillement, parce que Dieu est là, on est unis avec l'Esprit de Dieu, comme dit la parole. Donc, je pense que c'est très, très encourageant pour nous, chrétiens. On n'est pas loin de Dieu et la guérison est là aussi. Elle Amen. Est en lui. Dans ses rayons, il y a Amen. La guérison. Amen, il y a la guérison. Okay. Ouais. Merci beaucoup. Maintenant, tu en connais un rayon. Hein. Non, donc, merci Marie-Christine pour ce témoignage. Merci à tous d'avoir suivi. Et que Dieu vous bénisse et ayez foi en Dieu. Vous qui êtes enfant de Dieu, qui luttez avec des problèmes, Dieu voit, ayez foi en Dieu. Peut-être on peut prier. Et peut-être on peut prier pour... pas seulement on va prier pour ta guérison comme si c'est par nous que tu vas être guéri, mais peut-être on peut prier pour que tu te rendes compte que le Père qui est pas loin de toi, avec lequel tu es uni, mais va chercher en lui, au nom de Jésus, la guérison, je dirais, qui fait partie de ton héritage. J'ai aimé parce que tu as dit que ta volonté soit faite, mais presque à l'air de dire, je suis prête à accepter que ça aille mal. Mais la volonté de Dieu a été révélée. La volonté de Dieu, c'est de nous guérir. Mmh. Et comme la volonté de Dieu, c'est de nous pardonner. Jésus est mort pour nos péchés, pour nos maladies.
Donc merci Amen. Vraiment pour ce témoignage qui révèle des choses sur le cœur de Dieu, qui révèle des choses sur le privilège d'être enfant de Dieu par rapport à la guérison. Amen. Amen. Donc on va terminer par la prière. Tu veux prier ou ben, on va tu peux bien le faire. Sûr, on va ouais. le faire pour tous ceux qui écoutent, parce que ceux qui écoutent, s'ils sont restés jusqu'à ces instants-là, eh bien c'est parce que ils ont soif aussi. Seigneur, je te demande d'abreuver tous ceux qui sont au loin, Seigneur, tous ceux qui veulent te chercher. Tu as dit frappez, on vous ouvrira, et je vous ouvrirai même. Tu dis cherchez, vous trouverez. Et à tous ceux qui sont au loin, tous ceux qui veulent aller plus loin, tous ceux qui se disent j'ai fait un bout de chemin, mais il y a encore un autre morceau de route que je n'ai pas faite. Je sais, Seigneur, que tu vas les accompagner jusqu'au bout. Soyez confiants et vraiment, Seigneur, donne-leur là, cette confiance en toi qui fait qu'on peut passer, Seigneur, de montagne en montagne, les montagnes, on peut les déplacer, mais on peut aussi passer par-dessus, aller jusqu'en haut. Seigneur, je te bénis, Seigneur, pour eux, Seigneur. Accorde-leur, Seigneur, de leur parler, d'ouvrir ce dialogue, Seigneur, entre eux et toi, Seigneur. Mm-hmm. Parce que tu es grand, parce que tu as une aptitude à dialoguer avec nous, parce que tu le veux, parce que c'est inscrit depuis le début. Tu as parlé à Moïse, tu as parlé à Noé, tu as parlé à tous ces grands hommes, Seigneur, qui sont nos références aujourd'hui. Mm-hmm. Et aujourd'hui, tu cherches aussi des Noé, tu cherches aussi des Moïse, tu cherches aussi des Josué, tu cherches aussi des Abraham, Seigneur. Et c'est là, c'est aujourd'hui, là, maintenant, dans cet instant qu'il y a des Abraham, des Moïse, des David, qui vont se révéler aussi, parce qu'au fond de vous, chacun, vous avez soif du Dieu vivant. Mmh. Il est là, il est présent. Ayez foi. Seigneur, merci pour chaque auditeur qui est là. Et je te remercie parce que dans la relation qu'on a avec toi en tant que tes enfants, la foi de Dieu vient. La foi de Jésus nous est communiquée. Et nous n'avons pas besoin de la foi, même de chrétiens plus forts que nous, parce que nous avons la foi qui vient de Dieu lui-même, la foi de Dieu, comme Jésus l'a dit, la foi de Dieu, ayez la foi de Dieu. Dans la relation avec toi, il y a une foi qui vient sur nous, et cette foi nous permet de prendre et de recevoir. Nous sommes comblés en toi, et nous pouvons saisir notre propre délivrance dans le nom de Jésus, qui est notre avocat, qui est notre soutien, qui nous entoure, qui est avec nous et en nous. Que cette foi de Dieu soit libérée dans l'esprit de tous tes fils et tes filles qui sont en lutte, mais qui sont plus avec toi que dans leur lutte en réalité. Mmh. Que ces choses leur soient révélées, qu'ils saisissent la grâce, qu'ils saisissent cette foi qu'ils ont dans ta présence et que leur guérison, leur délivrance se manifeste maintenant tout simplement au travers de cette relation qu'ils ont avec toi. Et dans le nom puissant de Jésus, qu'il en soit ainsi, Père. Amen. Et merci, Seigneur, de tout notre cœur. Amen. 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 Merci beaucoup, Marie-Christine.